m'étonnerait que ta mère allait aimer ZZ Top, j'espère. Ce film-là m'a tiré vraiment pour cette relation entre ce père et sa fille. Je trouve que c'était une relation assez forte. Dans ce film, j'étais très heureux de le montrer comme un papa. C'est une facette de sa personnalité qu'on n'avait pas vue au cinéma. C'est-à-dire une manière d'être extrêmement généreux de sa personne envers son propre enfant, sa propre fille en l'occurrence dans le film. Et d'avoir une manière de transmettre très particulière, très à lui, avec beaucoup de charme, d'humour. Je sais pas trop faire le film. Oh, c'était très bien. La relation entre cet homme-là et sa fille, c'est quelque chose d'assez beau. Et donc, ça me plaisait de jouer un papa pour la première fois, vraiment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais regarde pas comme ça, commence pas. Pardon. En général, on a 9 mois pour s'y faire. Et ce qui est plutôt bien foutu. Et lui, bah, en fait, il a 2 minutes pour s'y faire. Et du jour au lendemain, on lui flanque sa fille de 3 mois dans les bras. Donc au début, il essaye de s'en débarrasser vite. Il se trouve que, voilà, il est, je dirais, si je me mets dans sa peau, condamné à être responsable de cet enfant. Il l'élève, mais en même temps, il s'élève tout seul aussi. Donc c'est un peu ça qui se passe. Il s'élève en élevant sa fille, c'est ce que je dirais. C'était important pour moi que le personnage de Samuel soit quelqu'un qui devient encore plus enfant que sa propre fille. Pour tous les autres, il est fou. Il est fou, irresponsable, cinglé. Et c'est en ça que je le trouve fort, c'est qu'il est prêt à passer pour ça tant que sa fille est heureuse. Je l'aime beaucoup, il est sympa, il s'amuse, c'est un clown. C'est un clown, mais il est très cool. Omar est quelqu'un qui, bon, évidemment, j'apprends rien à personne, mais il rit, puis la pièce s'illumine. Omar a une image à l'extérieur qui est exactement celle qu'il a dans le travail. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant. Il est extrêmement honnête, sincère, droit. C'est quelqu'un qui ne calcule pas, qui est dans le rapport franc avec les gens. Il se pose beaucoup de questions sur les personnages, pas que les siens. Il se pose des questions sur tous les personnages du film parce que ça, c'est important pour le sien. Pour moi, c'est le pied. C'est-à-dire qu'on a des journées où on va être dans la comédie pure. Des journées, ça va être totalement de l'action. Il y a des journées, ça va être un petit peu plus en profondeur, dramatique et tout ça. Il y a même des jours où les choses se mélangent. Donc, c'est hyper intéressant. C'est comme si on avait plusieurs ateliers quoi, à chaque fois. Et donc, ça, c'est le pied pour nous. Il est créatif, il a de l'humour, il est... agréable, enfin je le souhaite à tous les metteurs en scène, c'est un bonheur de travailler avec lui quoi. Il est ce qu'on voit à l'écran, enfin voilà, enfin il est incroyable quoi, donc de toute façon qu'est-ce que tu veux que je dise de plus.